La machine à usiner et à fileter Max Pro Technologies est à la pointe de la technique et permet à la fois d'usiner en cône et de fileter en une seule opération. Une commande au-dessus de la machine permet à l'opérateur de choisir la taille de tube utilisée. Les tailles comprises sont de 1 quart, 3 huitièmes, 9 seizièmes, 3 quarts de pouce et 1 pouce pour les tubes moyenne pression. 1 quart, 3 huitièmes et 9 seizièmes de pouce pour les tubes haute pression et 5 seizièmes de pouce pour les tubes ultra haute pression. Réglez la commande à la taille de tube à usiner. La bonne longueur de filetage est alors réglée automatiquement pour l'opérateur. Ici, nous utilisons un tube de 3 huitièmes de pouce haute pression. Nous avons donc la commande de la machine réglée sur 3 huitièmes haute pression. Sur le dessus de la machine se trouve un témoin qui indique à l'opérateur dans quelle position de travail se trouve le chariot. Position d'installation du tube, position d'usinage en cône et position de filetage. Actionner le levier permet de passer le chariot dans les différentes positions. Commencez par régler la machine au centre, sur la position d'installation du tube. Le tube est inséré par son extrémité et vient reposer contre le stop tube. L'opérateur peut alors utiliser la clé rapide intégrée pour serrer le tube en position. Nous sommes maintenant prêts à commencer le processus d'usinage en cône. Actionnez le levier pour placer le témoin sur la position d'usinage en cône. Les boucliers anti-éclaboussures d'huile doivent être fermés pour que la machine puisse opérer. Maintenant, allumez la machine. Faites pivoter la poignée du mécanisme vers l'avant de la machine pour faire avancer l'outil d'usinage en cône en direction du tube. Vous saurez alors, par le toucher et par le son, que le processus d'usinage en cône est en cours. Une fois que l'arrêt complet est atteint, faites pivoter la poignée du mécanisme vers l'arrière afin de faire ressortir l'outil d'usinage en cône du tube. Sur la tête d'usinage en cône ainsi que sur la tête de filetage, l'approvisionnement en huile se fait au travers du centre de chaque arbre de broche, ce qui lubrifie à l'endroit exact où l'usinage a lieu. Maintenant, mettez le chariot en position de filetage. Actionnez le levier vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'enclenche. À ce point, la filière s'alimente automatiquement. Une fois la fin du filetage atteinte, la filière s'ouvrira automatiquement et la procédure d'usinage en cône et de filetage est terminée. Vous pouvez constater que lorsque le levier est remis en arrière, la tête d'usinage est réinitialisée automatiquement. Vous êtes maintenant prêt à usiner en cône et à fileter le prochain tube. Voici quelques-unes des nombreuses fonctionnalités et avantages de la machine à usiner en cône et à fileter de Max Pro Technologies. Une opération unique pour usiner en cône et fileter réduit le temps de production. La commande de réglage de la taille de tube réduit le temps de réglage en réglant automatiquement la longueur du filetage. L'approvisionnement en huile de coupe se fait directement par le centre de chaque arbre de broche. L'huile est stockée dans un réservoir scellé, complété d'un panier à copeaux de grande taille et amovible. Les trous dans le panier amovible permettent à l'huile de s'écouler, facilitant le nettoyage des copeaux métalliques avec peu ou pas de salissure. Les interrupteurs de sécurité sur les boucliers anti-éclaboussures d'huile éteindront automatiquement la machine si les boucliers sont ouverts durant l'utilisation. Le gros bouton d'arrêt d'urgence est un mécanisme de sécurité
prévues pour arrêter la machine en situation d'urgence. Les roulettes pivotantes et verrouillables stabilisent la machine, ainsi qu'elles la sécurisent en empêchant tout mouvement lorsqu'elles sont verrouillées. Déverrouillées, les roulettes facilitent le déplacement de la machine sur le lieu de travail. Des trous filetés pour anneaux de levage se situent de chaque côté de la machine, pour soulever en toute sécurité la machine à usiner cône et filetage lors du transport. Des tiroirs de rangement spacieux et pratiques permettent de ranger les clés, les outils de réglage, les lames pour usinage en cône, les peignes à fileter et les pinces. Les clients achètent des packs d'outils comprenant pinces, lames d'usinage en cône et filières en fonction de la taille des tubes avec lesquels ils travaillent. Les clés hexagonales nécessaires au réglage sont fournies avec la machine. Les lames d'usinage en cône sont facilement changeables grâce aux clés hexagonales incluses. Les outils de réglage sont fournis pour facilement ajuster la filière après changement de la taille d'usinage. L'appareil est livré avec un manuel d'utilisation complet et facile à comprendre, bien rangé pour un accès rapide. Également disponibles chez MaxPro Technologies, des kits d'outils d'usinage en cône et de filetage manuel. Les kits comprennent tous les outils d'usinage en cône et de filetage pour travailler avec des tubes moyenne et haute pression, jusqu'à une taille de 9/16 de pouce. Pour plus d'informations sur cette machine ou n'importe quel autre de nos produits haute pression, merci de visiter notre site web www.maxprotech.com. MaxPro Technologies se consacre à combler vos besoins haute pression avec des produits de qualité, un service client et une assistance exceptionnelle.